Salut tout le monde, ici Tyr le Coyote, Benoît Pinette. Écoutez, je suis très heureux de participer pour une deuxième année consécutive à moi-même. J'ai donc risqué pour une deuxième fois mon autoportrait. L'année dernière, je me souviens, c'est mon amie Louise Latraverse qui m'avait initié à ce projet-là, qui m'avait parlé du centre d'apprentissage parallèle aussi, que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et puis, voilà, j'avais aimé le projet. Puis j'avais beaucoup aimé l'exercice aussi de faire mon autoportrait. Moi qui étais un grand dessinateur quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup. Et puis je pense que ça devait faire 20 ans que j'avais pas dessiné. Donc c'était un grand plaisir de retrouver mes crayons. Et deuxièmement aussi, c'est la cause de la santé mentale me tient particulièrement à cœur. Si j'avais à en choisir une, je pense bien que ce serait elle, pour plusieurs raisons que je ne vais pas vous élaborer dans ce court message. Donc, si vous pensez vous procurer mon autoportrait, sachez que j'y ai mis tout mon cœur. Et voilà, je vous laisse sur une petite chanson, Jolie Anne. Voilà, un extrait de chanson. Ton silence de monastère évoque la bombe atomique, les angoisses du triangle dans un orchestre symphonique. Pourquoi les traces de break et les barbeaux s'évachent sur ton écho, qu'ils prennent toute la place et même celle des mots. Même celle des mots. Je cherche le moyen de scalper ta tristesse. Oh, jolie âme.